Bonjour maman. Bonjour ma fille, ça va? Ça va bien maman. Kwekam n'est pas encore arrivé. Non, elle n'est pas encore arrivée ma chérie. Oh, et pourtant on avait rendez-vous. Il y a une erreur là. Une erreur? Oui. Où comme ça? Il y a un thé de trop à la cafétéria. Hey! Il ne devait pas avoir le thé ici. Cafétéria n'a pas été à la fin. Non, maman. Bonsoir, maman. On a dit qu'il y a cafétéria et il y a un thé de plus. Ça. Et toi, tu ne le vois plus. Oh, oui, c'est vrai, c'est vraiment. C'est une erreur. Je n'ai pas vu ça. C'est une erreur. Toi aussi. Si c'était à l'examen, ce que tu as déjà raté. Le thé, ça ne doit plus exister. C'est comme ça que mon argent part. Ça m'a échappé. Ça m'a échappé, maman. Donc, je ne sais pas, franchement. Vous allez faire, je vais devenir folle ici. Bonjour maman Choco. Bonjour. Comment tu vas? Je suis là. Et maman Choco, ça fait 3 semaines déjà aujourd'hui que je te cherche. Tu as mon argent par rapport à la livraison de la dernière fois. C'est comment? Tu n'avais pas trouvé le gâteau ici? Ici où? J'avais déposé le gâteau ici puisque je t'appelais, ça ne passait pas. J'ai déposé le gâteau ici que tu passes prendre. Maman Choco, pardon. C'est que tu veux me commencer là. Ne commence même pas. Je ne veux même pas bavarder ce matin. Je ne veux même pas bavarder. Pardon, donne-moi mon argent, je pars. Et qui est en train de bavarder? Moi, je n'ai pas l'argent. Maman Choco, donne mon argent. Je pars. J'ai la livraison à faire. Ouais, j'ai dit que je n'ai pas l'argent. Maman Choco, tu me dis que tu n'as pas l'argent? Donne mon argent, je pars. Je ne veux pas que tu manques de respect. Hey, je n'ai pas. Tu n'as pas l'argent? Oui. Tu n'as pas l'argent? Pas. Tu dis que tu n'as pas l'argent, Maman Choco? Ok. Ok. On va voir. Comme tu dis que tu n'as pas l'argent là. Je casse tout ça. Casse. Je casse tout ça. Casse. Maman Choco, je vais casser ça. Oh. Sors de ta main, casse. Vous avez entendu ici dehors. Tu veux te blaguer avec moi? Un petit coup de fil comme ça, tu as tort. Mets tes pépettes, tu te débrouilles tout le jour. Tu as tes 5 francs là. Essaye. Ce jour-là, je vais te dire que j'ai les relations. Casse! Ah bon? Toi, tu me menaces? Je te rappelle que j'ai les relations. Toi, tu me menaces? Tu as quoi? Donc, tu penses que j'ai pas les relations? Un petit coup, je te dis comme ça là. Là où tu te débrouilles là. Tu ne dois même pas te débrouiller encore. Maman Choco, tu n'as besoin aux autres, pas à moi. Tu me donnes mon argent. Demain, je viens ici là. Je viens prendre mon argent. Il n'y a pas mon argent, mon argent. Tout ça au sol. Au sol. Je veux tout ça au sol. Hein, je te dis, tout ça au sol. Ah, ouais. Comment tu blagues avec moi là? Une même malhonnête comme ça là. On vous respecte, vous ne voulez pas respecter les gens. Hein? Pour 3000 francs, tu salis ton nom pour 3000 francs. J'ai salué. Tu me donnes mon argent demain. C'est ton nom. Je t'ai dit. C'est ton nom. Demain, tu me donnes mon argent. Pauvre malheureux. Malheureux toi-même. Malheureux. Donc tu vois clair, tu me demandes mes 3000. Chien. Tu vois clair. Demain. Je ne donne pas mon argent demain, tu vas voir. Donne ton bureau. Mon bureau, qui te mon bureau? Quel bureau? C'est le bureau ça? Je vais casser ça demain. Ne donne pas mon argent. Demain est loin. Tu vas voir. Demain ne donne pas mon argent. Une femme me donne. Hé, rabat tes bêtises là. Rabat ça. Rabat tes bêtises qui a mis au sol là. C'est sauvage. Demain. Tu me donnes mon argent. Sinon je casse ça. On va voir une femme. On va voir que non. C'est une mère. Tu te respectes même pas. Même ton âge. Ça jusqu'à demain. Ouais, un petit malheureux comme ça. Malhonnête. Tu es malheureux. Malhonnête. Petit livreur. On te paye combien? Donne ton argent. Viens travailler ici, je te paye, idiot. Tu n'arrives pas à payer le gâteau, c'est le travail que tu vas payer. Mais fille, vous avez dit que vous avez la tasse de quoi? La tasse de le chimpanzé a bien là, il m'a distrait. Salut demoiselle. Salut beau gosse. Je peux? Sortez-vous à l'aise, c'est un milieu public. Ah, merci de m'avoir cité sur votre table. Avoir de la compagnie, ça ne dérange pas parfois. Ah, okay. Moi c'est Rusty. Moi c'est Vanessa. Bonjour Monsieur Dan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Image. Merci. Votre commande, s'il vous plaît. Madame d'abord.
Servez-moi le meilleur de vos jus, s'il vous plaît. D'accord. Et vous, monsieur? Une Castel. Bien glacée, surtout. Un instant. Alors. Elle s'est déplacée. Non, je confirme les camarades. Qu'est-ce qu'une belle et séduisante femme quand vous faites dans un endroit comme celui-ci, toute seule? Je me posais la même question avant que vous me rejoigniez. Au fait, ne vous faites pas des idées négatives. Je viens souvent ici quand je vais être calme, posée et gérer certaines de mes affaires. J'aime bien cet endroit. Je l'aime bien. J'espère que après ce jour, je reviendrai. Pour quelle raison? Pour vous, bien sûr. Très vigilante. Je suis vigilante. Parce que il y a un monsieur qui était en rouge tout à l'heure là. Oui. J'espère qu'il t'a payé parce qu'il s'est levé en fanfare. Non, il a payé. Quand il vient. Est-ce qu'il a fini de manger directement, il s'est levé pour partir? Oui, tu crois qu'il n'a pas payé, mais quand il vient, il dépose d'abord son argent. Ah, d'accord. Il sait qu'il mange 600 tous les matins. Quand il vient, il dépose son argent, il s'assoit, je fais son petit déjeuner, il mange plus. Bientôt, c'est toi qui dois m'envoyer. Mon chéri, tu sais que c'est grâce à toi que j'ai ce café. Je sais. C'est naturel. C'est naturel. Je te dis, je vais te gâter. N'est-ce pas? Je vais te gâter. T'inquiète, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Voilà. Une fois, une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.